Les crétins de l'État islamique ne savent pas du tout couper des mains. Bon, ça va les gars, on sait bien que vous décidez de vous concentrer sur quelques extraits du Coran et d'ignorer tout ce qu'il y a d'humain à l'intérieur, mais bon sang, si vous amputez des mecs, faites-le bien à la fin. C'est pas une amputation, c'est un travail de boucher. Dans la vidéo, qui aurait été tournée en février, un homme accusé par des militants de l'État islamique est menacé sur une place publique où on dénonce ses crimes. La vidéo est si cruelle qu'elle pourrait passer pour un épisode d'Itchy et Scratchy sans problème. À cause des règles de YouTube, on ne peut pas vous montrer la vidéo complète, mais nous vous invitons à visiter notre site web ofr.tomonews.net pour voir une version moins censurée. Quelques hommes tiennent le voleur au sol et attachent sa main avec une corde, tandis qu'un boucher essaie de lui couper la main. La lame n'est visiblement pas affûtée. Les cris d'Allah Akbar enterrent presque les cris de l'homme. Presque. Mais bon sang les gars, coupez! À la fin de la vidéo, on voit un médecin coudre la blessure de l'homme. Vous voyez, ils ont un cœur quand même. Allez, j'ai un petit dilemme pour vous. Un voleur manchot est arrêté par l'État islamique. On fait quoi pour le punir?